Merci beaucoup. Coucou à tous. Encore une journée sur Bantourne. On décide de faire étape pour se reposer un petit peu. L'itinérance, c'est bien, mais de temps en temps, il faut se poser 2 jours. Donc ce midi, une petite recette que j'avais appris d'un ami charentais, Bruno, pour pas le citer, qui nous a dit de faire des beefsteaks ou des bavettes ou autre, déglacés avec du pinot des Charentes rouge. Donc voilà, on a tout préparé, le petit barbecue. Voilà. Et on va faire tout ça. Donc on vient d'allumer le petit barbecue, on va mettre la petite poêle. C'est une petite poêle pliable, c'est vachement bien dans le camping-car. On va la faire chauffer et on va mettre du beurre et les beefsteaks. Donc nous on prend du Saint-Hubert, hein, oméga 3, il paraît que c'est bien. Et voilà, donc le beurre est en train de fondre tout doucement. Donc on cuisine dehors hein, beaucoup l'été. Hein. Ça évite de faire de la chaleur dans le camping-car comme il fait déjà plus de 26 degrés, 26, 27 dehors. On va pas remettre de la chaleur. Donc j'en profite pour vous montrer un petit peu l'installation électrique pour. Donc on n'est pas branché ici à Brantôme. Donc on a une petite installation électrique, donc une EcoFlow hein, qui est en train de charger pour les téléphones et les ordinateurs. Et le panneau solaire de l'EcoFlow est juste ici. Donc on le met sur le pare-brise du camping-car ou par terre. Mais bon là il y a de l'herbe assez haute, donc on l'a mis sur le pare-brise du camping-car. Et ça charge bien. Et après ça me permet de faire fonctionner l'ordinateur de n'importe où sans être branché. L'avantage aussi, c'est que cette petite EcoFlow se charge aussi en roulant, donc sur l'allume-cigare, donc sur l'alternateur du camping-car. Et puis comme ça, j'ai toujours du courant partout, même dans la pampa. Après, Internet, c'est autre chose, mais toujours est-il, j'ai au moins du courant. Voilà, donc ce sont des petites bavettes d'aloyau que nous avons achetées au petit boucher de Brantôme. Quand on nous accueille, eh bien, nous achetons au village quand on a besoin de quelque chose, évidemment. La plus grande, c'est pour mon mari. Il aime bien les gros morceaux de viande. Voilà. Donc, de Brantôme. Voilà, donc c'est une excellente maison. Ils font aussi des très bonnes conserves de cassoulet avec. Du canard gras et on en ramène souvent pour manger l'hiver. Voilà. Un petit peu de sel. Toi, bébête, on Voilà. t'a pas invité. Et un petit conseil de boulanger, si vous reste une baguette de la veille, eh bien vous la prenez, vous la mettez au soleil et vous la retrouverez aussi croustillante que si elle est sortie du four. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Ça tombe pas. J'essaye. On va y arriver. Voilà. Voilà, au soleil, vous la retrouverez un quart d'heure, une demi-heure après, aussi croustillante que si elle sortait du four. Voilà. Petit conseil d'un boulanger. Donc voilà, ça cuit, ça cuit, ça cuit, ça cuit. Ça mijote. Donc voilà, ça cuit toujours. Et on va rajouter après un petit pinot des Charentes hein, de chez La Blanche. Nous nous sommes arrêtés aussi sur la route, c'est ça aussi le camping-car. Visiter ce qu'on appelle la maison des saveurs. Donc on vous fera visiter ça ultérieurement par une petite vidéo hein, que je n'ai pas encore montée. C'est quand même les vacances, je passe pas mon temps à monter des films. Et donc voilà, ça cuit. Et après, je vais déglacer avec du pinot des Charentes et remettre tout doux, c'est vraiment excellent. Voilà, donc la couleur du beurre me plaît bien. Je vais rajouter un peu de pinot des Charentes.
et refaire mijoter tout ça. Voilà, donc on remue tout ça. On enlève un petit peu l'alcool. Hein. Avec cette chaleur, sinon après on va dormir toute l'après-midi en position méduse dans les transats. C'est quand même pas le but. Hein. Donc, je vous montre un petit peu notre installation pendant que ça réduit. Donc voilà, on a les motos enfin, derrière. Et puis là, c'est l'air en fait. Hein. Les motos à pédale. Ouais. Donc voilà. Nous, on s'est mis dans un petit coin comme ça. Et puis, au bord de l'eau. Alors là, on est heureux comme des petits coqs en pâte. Tout ce qu'on aime, la tranquillité, la détente, la bonne cuisine, nos chiens qu'on adore. On sait bien qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément les chiens, mais nous on adore ça, on ne peut pas vivre sans. Et on aime les avoir près de nous, et surtout en vacances. Donc nous on ne les abandonne pas. On aime leur montrer des choses, leur faire goûter des choses. Et leur faire des bisous. Le lévrier qui lui décide de faire séance de bronzage. Voilà. Est-ce que tu vas prendre de la couleur, mon gogo? Ouais, tu vas prendre de la couleur. Il veut rien bronzer de vacances. Oui, il a envie. Hein. Fais attention. Hein. Bah, heureusement, il n'a pas de maillot de bain. Sinon, il aurait les marques. Repartons. À nos affaires hein, quand même, parce que à l'origine c'est une vidéo sur la viande avec une petite sauce au pinot des Charentes. Voilà, donc c'est cuit, hein, c'est réduit, plus qu'à déguster. Et ça sent bon. Et ça sent vraiment super bon. Donc voilà, servi. Tu goûtes, tu me dis si c'est bon. Ah, c'est ma goûteur. Oui, c'est ta goûteur. Alors. Excellent. Excellent. Ah, excellent. Très très bon. Bon, apparemment, c'est délicieux. Hein. Très goûtu. Voilà. Donc, j'ai un camping-car qui s'est installé pas très loin de nous. Donc, bon appétit à tous. Et des gros bisous. On teste un autre petit truc qu'on a acheté aussi à la Maison des Saveurs. C'est du jus de raisin pétillant. Donc ça fait maximum 3%. Donc je pense que c'est un petit peu apparenté au cidre. Donc on va goûter ça. Et n'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, un petit pouce juste en bas là, c'est là. Et n'oubliez pas de vous abonner. Cela nous aide tout simplement à avoir de la visibilité sur YouTube. Des bisous à tous. Voilà, et ça nous fera plaisir. En plus, ça nous fera très plaisir. À bientôt. À bientôt, merci.